la carne, ou tu portes partout. Quoique la ville, c'est trop cher. Quand tu as un massif carouache, ou un kitambo, na oya. En tout cas, service des allemands, la pépelle. Sécurité pépelle, quoi. Top Web One, Top Web One. Les sites pratiques et d'infos du web. Bienvenue à ce nouveau numéro de Tozo Kende Wapi sur www.topweb1.com. Comme d'habitude, vous le savez très bien, nous avons toujours l'habitude de nous promener. Question de vous trouver l'actualité, qu'est-ce qui se passe au pays. Alors aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous avons dans notre corbeille un événement qui se passe à Kinshasa depuis le 25 juillet, c'est-à-dire qu'il y a grogne à la RVA, à la régie de voies aériennes. Les agents et cadres se plaignent, ils protestent, ils sortent dans la rue, ils font tout ce que les gens font pendant la grève, vous le savez si bien. Alors aujourd'hui, nous allons partir du côté de la RVA pour en savoir plus, savoir quelles sont les revendications de ces agents et cadres de la RVA. Les réponses à toutes ces questions, c'est tout à l'heure dans cet élément que nous propose Hervé Lola. Top Web One, Top Web One. Photo c'était parfait. Duo. Je ne sais pas si vous étiez au courant qu'il y a une correspondance qui a été émise par le ministère du portefeuille, comme quoi un contrat d'assistance technique avait été signé avec la firme ADP, une firme française, qui devait prendre certains postes de direction de manière à mener cette assistance jusqu'à la scission de la RVA. Ce qui a fait qu'en son temps, nous sommes allés vers le ministère du portefeuille, on a eu un échange avec son Excellence et nous avions introduit différentes correspondances par-ci, par-là. Malheureusement, en dehors de notre PCA et de l'ADG, les autres n'ont jamais répondu à notre demande d'audience. Le problème porte sur ce que je venais de dire tout à l'heure, l'assistance à la RVA, l'assistance technique par la firme ADPI. Des tristes mémoires pour nous. Pourquoi tristes mémoires? C'est la même firme qui a eu un contrat de gestion à être à la tête de la RVA de 2008 à 2010. Si les événements peuvent vous rappeler que M. Jean-Assis Leblanc, qui a été à la tête de ces comités, avait été pratiquement chassé par les agents de la RVA, puisque nous sommes restés avec un mauvais souvenir sur cette assistance-là. Il y a eu mort d'homme. En fait, les gens, il y a eu trop de révocations, des détournements de fonds. Donc, bref, le Sénat qui nous a aussi réélés pour la même cause avait trouvé pratiquement que nous avions raison et les rapports avaient été publiés. Donc, nous disons que par rapport à ces bilans qui pour nous étaient négatifs, nous ne pouvions pas accepter que le gouvernement revienne sur la même firme pour dire bon, il va devoir nous assister afin d'arriver à la scission de la RVA. Donc, partant de cet aspect, c'est pourquoi nous nous sommes venus de vous pour dire d'abord non à cette assistance technique par l'ADPI et non à la scission de la RVA. Voilà les deux problèmes pour lesquels nous sommes pour l'instant dehors. Et nous allons devoir poursuivre jusqu'à ce que notre voix soit entendue. Nous ne voulons pas, dans un premier temps, engager une quelconque discussion avec le gouvernement sur un terrain de médias, mais nous disons que c'est le gouvernement qui a la responsabilité de pouvoir évaluer la prestation de mandataire dans l'entreprise. Mais quant à nous dire qu'il n'y a rien qui marche, bon, c'est vrai, peut-être qu'ils ont déjà fait leur évaluation pour arriver à cette solution. En tant que gouvernement, il n'a qu'à prendre certaines dispositions. Mais nous nous retrouvons aujourd'hui devant une situation telle qu'il y a des bâtiments qui sont en train de pousser dans le cadre de la coopération. Il y a une nouvelle tour de contrôle qui va être inaugurée incessamment, une centrale électrique, ainsi de suite. Les travaux se font et à Kinshasa et à Lubumbashi, et ça va se poursuivre à Kisangani et ailleurs. Mais nous ne voudrions pas ici
En tout cas, nous, en tant que délégués syndicaux et syndicalistes, faire l'avocat de qui que ce soit, pour nous, nous disons simplement que nous nous battons contre ces programmes du gouvernement qui amènent une firme de triste mémoire dans l'entreprise. Mais quant à la gestion et à l'évaluation pour dire que les mandataires sont-ils capables ou pas, il appartient au gouvernement à travers ses organes de pouvoir le faire. Mais nous nous disons que pour nous, nous maintenons notre entreprise telle qu'elle est aujourd'hui et nous sommes prêts à contribuer pour sa bonne marche. Nous, nous avions, lors de rencontres organisées par la direction de l'entreprise, même le président du conseil d'administration, exprimé pratiquement le même vœu que je venais de dire tout à l'heure. Donc pour nous, là, nous disons non à l'assistance technique par la firme ADPI et non à la scission de la RVA. Bon. C'est en fait la scission. Bon. C'est vrai, on nous a dit qu'il y a une loi qui existe et qui devra être appliquée, mais nous disons que c'est prématuré pour l'instant, puisque certains préalables ne sont pas encore remplis. Nous avions en son temps écrit à la haute hiérarchie et nous n'avons jamais eu de réponse. Donc nous estimons pour nous que les choses ne doivent pas se faire de cette manière-là. Nous sommes prêts à dialoguer, à échanger avec les partenaires pour que nous arrivions à une solution, mais pour l'instant nous disons non. Nous sommes avec pratiquement tous les délégués de provinces qui sont venus en réunion pour la révision de la convention collective et l'occasion faisant les larrons, nous nous retrouvons là pour arrêter les stratégies, puisque le problème pour lequel nous nous sommes battus et pour lequel nous répondons à vos questions, c'est un problème à caractère national. Donc là, nous sommes en train d'arrêter pratiquement les stratégies pour arriver à une solution satisfaisante en faveur du personnel et de l'entreprise RV. Top Web One, Top Web One. Voilà, vous venez de suivre vous-même. Toutes les explications nous ont été données ici par la délégation syndicale de cette entreprise, la régie de voies aériennes. Au moment où je vous parle, il y a aussi les agents et cadres du Nord Kivu, c'est-à-dire à Goma aussi. Les agents et cadres de la RVA ont rejoint leurs collègues de Kinshasa. Ils protestent également contre cette décision du gouvernement. Le délégué syndical l'a si bien dit, ils ne sont pas d'accord avec cette décision du gouvernement. Ils ne veulent pas de cette firme française à la tête de leur entreprise. Et nous allons voir ce que dira le gouvernement, bien sûr. Et c'en est fini là pour ce nouveau numéro des Tozo Kende Wapi. La carnaio au petit poto partout quoi que la ville c'est trop cher quand matamo na hotel aka na massive car wash au na kitambo na oia en tout cas service ça on a pepele sécurité pepele quoi. Top Web One, Top Web One, les sites pratiques et d'infos du web.